Hôtep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la tentative d'assassinat du président Donald Trump. Et nous allons essayer de voir s'il y a des similitudes. Nous allons soulever les similitudes avec la tentative d'assassinat du premier ministre slovaque. Et puis nous allons voir quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de tout ça. Bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump est un anti-guerre en Ukraine. Donald Trump a dit, moi dès que j'arrive, je négocie avec Poutine, je fais asseoir Poutine, je fais asseoir Zelensky, et puis on arrête cette guerre. Donc Donald Trump est en fait un anti-guerre en Ukraine. Vous savez aussi que Donald Trump, c'est le seul président des États-Unis qui n'a pas fait de guerre. L'un des rares, en tout cas, des rares, très rares. Mais la plupart des présidents américains, surtout les démocrates, ils ont chacun à sa guerre. Vous voyez? Alors, Donald Trump n'a pas fait de guerre. Donald Trump pense que la guerre, elle est économique. Et c'est ce que moi je crois d'ailleurs. Pour moi, je pense que la guerre est économique. Et plus les Américains vont se concentrer sur la guerre militaire au sens propre du terme, eh bien, plus ils vont perdre la guerre économique. On le voit aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Même si les Américains peuvent le nier à travers leurs institutions qui évaluent les pays et les entreprises, mais en réalité, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Là, les États-Unis viennent en deuxième position. Maintenant, nous avons l'Inde qui est en train d'avancer, qui est prête à dépasser les États-Unis. Et nous avons la Russie, qui est aujourd'hui la quatrième puissance mondiale, qui est en train de talonner l'Inde et menace même les États-Unis. Et c'est ça la vraie guerre. C'est pour ça que je me suis toujours dit que les États-Unis se trompent de guerre. Eux, ils se focalisent sur la guerre militaire, alors que les autres se vendent vers la guerre. L'arme atomique ne sert plus à rien. Si les États-Unis veulent utiliser l'arme atomique, là, le monde entier va disparaître. Les autres aussi ont l'arme atomique. L'Iran a l'arme atomique. La Corée du Nord, là. Le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Russie. Bon, la pacotille de la France ou de l'Angleterre, ça c'est la vieille Europe. Bref. L'arme atomique n'intimide plus personne. D'ailleurs, ils n'ont pas d'uranium. L'uranium, là, il faut qu'ils viennent en Afrique ou qu'ils aillent en Russie. Alors, bref. Donc, le premier point, c'est l'anti-guerre de l'Ukraine. Comme par hasard, le premier ministre slovaque aussi était anti-guerre en Ukraine. C'est la même position. Vous ne voulez pas la guerre en Ukraine. Comment vous expliquez ça? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que Donald Trump est un anti-mondialiste. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas Davos qui va gouverner le monde. On se souvient, Donald Trump, à la tribune des Nations Unies, dire que les nations doivent être souveraines. On n'a pas besoin des nations qui sont commandées par d'autres nations. Qu'il y ait une nation au-dessus de toutes les autres nations. C'est ça ce que veulent les mondialistes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui gouvernent le monde entier, qui deviennent comme si c'était Dieu. Parce que Dieu gouverne le monde entier. Parce que Dieu le gouverne parce que c'est lui qui a fabriqué. Mais pourquoi l'homme qui n'a rien fabriqué, il n'a jamais fabriqué même un autre homme? On va dire que c'est lui qui doit gouverner le monde. Et pourquoi tu vas gouverner des gens que tu n'as pas, qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas sous ta coupe? Tu ne les nourris pas, tu ne les loges pas. Au contraire, tu les massacres, tu les réduis à zéro, tu les sous-développes. Et ça, c'est la même position que le premier ministre slovaque qui a échappé belle aussi à la mort. Vous avez aussi, ces mêmes gens sont anti-OTAN. C'est-à-dire que le président Donald Trump dit,
Mais l'OTAN, là, on gaspille beaucoup d'argent pour rien. Cet argent-là, c'est ce qui devait servir pour investir, pour développer l'industrie, notre économie, ainsi de suite. Pour financer des grands travaux, des grandes entreprises, créer des grandes entreprises, créer des emplois. Eh oui, c'est pas pour l'industrie d'armement seulement, parce que l'OTAN, c'est l'armée, en réalité. Maintenant, on veut en faire une institution politique, mais ça marche pas. Ou financière, ça marche pas non plus. Mais en fait, eux, c'est l'armée. Et quelle armée? L'armée américaine. Donc, pour les autres, là, ça ne dit rien, ils ne gagnent rien. Et le premier ministre slovaque, lui, c'était cette position-là. On ne gagne rien avec l'OTAN. On ne fait que faire des guerres. On ne fait qu'entretenir des guerres dans le monde. On ne fait qu'intimider les autres. Ça ne sert à rien. Et puis, l'un des autres chantiers, c'est la guerre contre la corruption. Donald Trump est un farouche va-t-en-guerre contre la corruption. Et si on rentre dans la guerre contre la corruption, c'est pour ça que d'ailleurs Donald Trump a été l'un des leaders pour voir que traîner le vice-président, plutôt le fils du président américain, Joe Biden, en prison, à la justice. C'est parce que c'était la guerre contre la corruption. Et voilà que maintenant, on a tenté de l'arrêter, politiquement parlant. On l'a diabolisé. On l'a traité de raciste, on l'a traité de tout. Que Donald Trump n'aime pas les étrangers, Donald Trump n'aime pas les noirs, Donald Trump ceci, Donald Trump cela. Juste pour le salir. Alors que je veux vous informer une chose. Le Parti démocrate, là, c'est le parti, les ancêtres des démocrates, là. C'est ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse abolir l'esclavage. Il faut le savoir, hein. C'est la raison pour laquelle moi je suis républicain. Parce que les démocrates, eux, ils ne voulaient pas mettre un terme à l'esclavage. Ceux qui voulaient mettre un terme à l'esclavage, ce sont les républicains. Mais comme ils ont les médias, comme ce sont des menteurs, ils ont tout transformé, on nous fait croire que le parti républicain, ce sont ceux-là qui sont des racistes. Non. Les républicains, eux, la priorité, elle est nationale. Mais même nous, en Afrique, nous voulons. Pourquoi nous, le panafricanisme, c'est quoi? C'est d'abord la souveraineté de l'Afrique. Et oui, c'est ça, justement. C'est d'abord l'Afrique avant les autres. Les républicains, c'est ça. Et on dit non, comme vous faites ça, donc vous êtes anti. Vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non. Si les Américains sont, les républicains sont racistes, mais nous aussi en Afrique, on n'a qu'à être raciste. Et puis, on remet les pendules à l'heure. On repart à zéro. Et le combat reprend. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, on a essayé après de le salir sur le plan de la justice. Ah, il y a toute une panoplie de procès qui le suivent. Et là encore, ça a échoué puisque récemment, on a reconnu son immunité présidentielle. On voulait carrément enlever ça. Et Joe Biden a dit, ça, c'est pas normal. Mais Dieu merci qu'il y a eu quand même des gens, des juges, qui ont quand même gardé le sens de la responsabilité et qui ont pris la décision. Je veux dire que, essentiellement, sur la guerre en Ukraine, sur le rôle de l'OTAN, eh ben, le président Trump est sur la même longueur d'onde que le premier ministre slovaque qui a failli être assassiné. Donc, en fait, il ne faut pas être contre la guerre en Ukraine. Il faut soutenir la guerre en Ukraine. C'est ça la conclusion qu'il faut tirer. Si vous ne soutenez pas la guerre en Ukraine, vous aurez des problèmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, mais il y a ma haine. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.